Donc on commence par l'attacher ici. Tac. On va faire le fameux nœud de chaise. Donc le serpent sort du trou. On rentre dans le trou. Comment c'est? Ah oui. Sort du trou, passe derrière l'arbre et re-rentre dans le trou. Voilà, comme ça. Tac, on serre un peu. Il faut passer par derrière. Hop. Et on va venir enrouler. Enrouler dans le premier, la première poulie. Donc on va l'enrouler comme ça. La poulie qui était mise, voilà, comme ça c'est mieux. Et qui va aller mettre, qui va aller en direction directement de l'autre, de la première poulie. Recule un peu. Voilà. Tiens, recule. Tiens ici. Voilà. Là, on arrive à la deuxième poulie. Donc la deuxième poulie passe par ici. Et en fait, on va venir faire un système de fake fil. Ah, tu parles en français ? De faux fil, comme ça, qui revient ici. Hop. Attends, je baisse, je monte. Voilà. Donc là, on fait une boucle. Et ce serait cette boucle-là qui va venir enrouler les deux fils. Ensuite, on passe par ici. Par là. Hop. Et on revient derrière. Refaire son petit nœud de chaise. Et voilà. Et le tour est joué. On va voir. C'est comment? C'est... Le serpent rentre. Sort du puits. Sort du puits. Fait le tour. Et re-rentre dans le puits. Hop, et voilà. Donc là, normalement, tiens-le bien haut. Si on lui donne un petit tour et on commence à tirer sur les fils, notre store va venir, alors là il est un peu vieux, s'enrouler directement. Parfait.